Bienvenue sur RTD. Vous suivez l'émission Les Trésors du Monde. Je m'appelle Dossou Marie Melvin. J'ai 11 ans. Je suis en classe de CM2 à l'EPC Saint-Pierre d'Animombo. Suivons ensemble la carte postale. Bandoukou est une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire. Sa superficie est 2,873 hectares égale à 28,730 km². Sa population est estimée à 78 258 habitants. Le maire actuel est M. Iliassou. Bandoukou est situé dans la région du Gontougo. À Bandoukou, on le trouve comme originaire, les Abrons, les Koulango. À Bandoukou, 11 ethnies se côtoient dans la commune. Ce sont les Brons, les Koulango, les Malinké, etc. Au plan historique, Bandoukou est une ville historique de la Côte d'Ivoire, à cheval entre tradition et modernité. Bandoukou est surnommée la ville sainte ou encore la ville aux mille mosquées, aux architectures originales qui datent de l'époque coloniale et qui lui donnent fière allure, sans oublier les saints sacrés de Soko. Les Gbé sont les fondateurs de la ville de Bandoukou et célèbrent le rituel d'Agafiago, ou le culte du feu, cérémonie qui marque la fin et le début d'une nouvelle année. Au plan sécuritaire, un poste de police et une gendarmerie sécurisent la ville de Bandoukou. Un centre hospitalier, une préfecture, des lycées et collèges, des établissements primaires font de la ville de Bandoukou une ville moderne et modèle. L'igname est la culture vivrière de Bandoukou. Bienvenue à Bandoukou. Eh oui, c'était la carte postale de la super ville de Bandoukou. Allons en cuisine pour la découverte du plat du jour. Je me nomme Kualoba Abetoka Jemima. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM2. Mon école s'appelle Goussoulekwekwe, située à Bobo. Je vais vous montrer comment ça se passe la recette des beignets jaunes. Pour faire les beignets jaunes, il nous faut la farine, l'oignon, l'huile, de l'eau, du sel, le colorant, le beurre et puis la levure. Après avoir fini de mélanger la farine, on va attendre 10 à 15 minutes pour que la farine monte. Après les 15 minutes passées, voici comment devient notre farine. Notre farine est encore montée. Nous allons donner forme à notre beignet. J'ai fini de donner forme à mes beignets. Je vais maintenant les griller. Je vais maintenant mettre mon huile au feu. Mon huile est chaude. Je vais maintenant ajouter mes beignets dans l'huile.
Voici mes derniers jours. Bon appétit, mes chers petits trésors. Apprenez à être des cordons bleus en essayant cette recette chez vous. Allons pour l'élément, apprenons nos langues. Bonjour chers camarades, bonjour chers téléspectateurs de Acte U2. Vous suivez les trésors du monde. Je m'appelle Esmel Vanessa, j'ai 11 ans, je suis en classe de CM1, groupe scolaire Pekpe d'Abobo. Aujourd'hui, nous ferons l'apprentissage de la langue Adjoukou. Suivez-moi au tableau. Quelques chiffres en langue Adjoukou. 1, c'est l'Iñam. 2, c'est l'Iyon. 3, c'est l'Iyahan. 4, c'est l'Iyar. 5, c'est l'Iyé. 6, c'est l'Inohan. 7, c'est l'Iloban. 8, c'est l'Inuhan. 9, c'est l'Ilibaran. 10, c'est l'Ilew. Maintenant, quelques mots en Adjoukou. La tieke, aigre. Le manioc, ingosi. La banane, oklebe. L'igname, l'iglebe. Maintenant, quelques noms du corps humain. La tête, nous. Les pieds, la corps. Les ventres, l'eau. Le dos, jam. Les bras, à vous. Les yeux, nyaman. Maintenant, quelques couleurs en Adjoukou. Le blanc, loufou. Le rouge, les bols. Le noir, libor. Maintenant, quelques phrases en Adjoukou. Animal est un bon élève. Animal boulouan l'élève. Animal boulouan l'élève. Amel apprend ses leçons. Amel amawolel. Yao boit de l'eau. Yao amegumich. Chers parents, apprenez-nous notre langue maternelle, car elle fait partie de notre culture. Merci, au revoir. J'espère que vous savez parler au moins une langue de vos parents. Sinon, commencez l'apprentissage dès maintenant. Il n'est jamais tard d'apprendre. Poursuivons avec la rubrique « Mon histoire ». Je m'appelle Prao Yawa Honorine. Je suis en classe de CM1 au groupe scolaire Pekpe, situé à Bobo. Aujourd'hui, mon histoire se portera sur la sagesse du monde. La sagesse du monde. Il était une fois un homme. Il s'appelait Annoncé. Il pensait connaître beaucoup de choses. Mais un jour, son savoir ne lui suffit plus et il se dit qu'il devait rassembler toute la sagesse du monde. Le voilà portant une énorme calebasse sous le bras, parti à la rencontre des hommes et des femmes aux quatre coins de la terre. Il n'y avait pas d'endroit où il n'allait de lieux qu'il ne visitait, de langues qu'il n'apprenait, avec tout et toutes humbles et puissants, petits et grands, il parlait, et tout ce qu'on lui disait, tout ce qu'il apprenait, tout ce qu'on lui enseignait, il le recueillait soigneusement dans sa calebasse. Quand il eut fini de rassembler tout ce qu'il pouvait trouver de sagesse, Annoncé est rentré tout droit chez lui pour mettre sa calebasse en sécurité. Il décida de la cacher entre les branches d'un arbre, mais ce ne fut
pas facile de grimper à un arbre avec une calebasse entre les mains. Et tandis qu'Annoncé suait et peinait en s'accrochant aux branches, Ntikuma, son plus jeune fils, arriva. Papa lui dit, l'enfant, tu devrais attacher la calebasse à ton cou avec une liane. Cela te libérera un peu les mains, sinon tu risques de la laisser tomber. Trip idiot, répondit Annoncé. J'ai entre les mains toute la sagesse du monde. Et toi, petit âme battée, connaisseur de rien, ignorant tout, tu penses pouvoir me donner des conseils. Mais comme Annoncé parlait et s'agitait, la calebasse lui glissa, toute la sagesse lui dispersa de nouveau à travers le monde, du nord au sud et d'est en ouest. Voilà pourquoi depuis ce temps, tout le monde peut en changer bien, retrouver quelques bribes de sagesse. J'espère que vous avez beaucoup appris sur la sagesse du monde. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour cette belle histoire. Il a haut, il a haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Vous savez chanter comme moi, c'est l'heure du petit concert. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi,
tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je faisait un peu de sport. Bonjour les amis, bienvenue dans votre rubrique Trésor Sport Show. Nous sommes actuellement à l'UFS Universal Fitness Square d'Abidjan. C'est ici que notre séance aura lieu. Pour l'instant, laissez-moi rejoindre nos chers petits amis là-haut. Mes sportives préférées, Fatima, ça va? Fais un coucou à la caméra. T'es contente d'être là, non? Ruth, la grande Ruth, tu fais un coucou à la caméra? T'es contente aussi d'être là? Et Ornella, ce sont mes championnes d'aujourd'hui. Avec elles, on fera du sport. C'est ça, non? On est en forme? Nous sommes en forme, non? Voilà. Vous aussi à la maison, vous allez nous suivre parce que nous allons commencer par l'échauffement. Vous allez regarder, je vous montre et vous reprenez vous ce d'accord. On va ouvrir comme ça et fermer. On ouvre, on ferme. Mais avec le rythme, la musique, vous voyez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon? On va faire 5 fois. Allez-y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on reste en jambes. Continue, on fait ça. On garde le rythme. Le prochain, ce sera ça. Suivez-moi. Hein. On va taper. 1, 2, 3, 4. Et on court sur place, comme ça. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Et on court sur place. Voilà. Allez-y. 1, 2, 3, 4. On court. C'est bon? 1, 2, 3, 4, on court. On court fort. Voilà. À la maison, on fait aussi. Hein. On continue. On fait 1, 2, 3, 4, on court. On court. 1, 2, 3, 4. Allez, voilà. On ne s'arrête pas. Il faut transpirer, c'est ça, non? On reprend. 1, 2, 3, 4, on court. Allez. Maintenant, on va piquer avec le genou. On garde le rythme. On garde le rythme. On garde. Cette fois, on va faire ça. On va piquer comme ça avec le genou.
Vous voyez, on met le genou en avant, comme ça. Allez-y, je vous regarde. 1, 2, 3, 4. C'est bien, Fatima. 1, 2, 3, 4. Voilà, on continue. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Allez, 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 allez. On continue. 1, 2, 3, 4. C'est ça, il faut se fatiguer. À la maison, vous faites aussi, hein. Dégagez les fauteuils, tout ça. Restez sur le tapis de la maison. C'est bien. Voilà. Doucement. On baisse le rythme. Voilà. Vous voyez, nous sommes essoufflés. Nous avons préparé le corps. Et nous allons danser maintenant. Donc, je vous propose de danser sur le son de Serge Benoît Zangoulé. Qui connaît le Zangoulé? C'est bien. Nous allons danser du Zangoulé. C'est parti. On va ça. 1. J'ai des grandes danseuses derrière. Hein? Zangoulé danse sur le côté. On va ça. Danse sur le côté. Zangoulé danse sur le côté. On va ça, Chapelle. Allez-y, je vais montrer le pas. On saute. On saute, hein. Oh, pour toi, vous dansez. C'est le tigini, c'est le tigini, tigini, tigini. Fais bien, Fatima, vas-y. On va ça. Descendez, descend, descend, voilà. Montez, montez. Descendez, descendez. Montez, montez. Saute, saute, saute. On saute fort. On saute. Nous avons fourni beaucoup d'efforts. Nous allons passer aux étirements pour relaxer tout le corps, détendre nos muscles. D'accord? C'est compris? Donc, on va faire de simples mouvements pour ne plus avoir mal après. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait comme activité, associer les jambes comme ça et tirer la pointe de nos pieds ici. On va tirer sur la pointe des pieds. Les jambes doivent être tendues. On est là. Les jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5. On se relève doucement, non, doucement, doucement, le long du corps. Voilà. On lève les bras comme ça en l'air. On va attraper et on va tirer sur nous-mêmes. On va grandir. On grandit sur la pointe des pieds. On se met sur la pointe des pieds. Voilà. Et on relâche comme ça. Et on va s'asseoir. D'accord? On se met au sol. Comme ça. Les jambes écartées. On va prendre nos deux mains étirées sur le pied gauche, d'accord? Je vais compter jusqu'à 5 et on se relève. 1, 2, on baisse la tête, on baisse la tête. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient. On va tirer l'autre jambe, la jambe droite. On baisse la tête, une, avec les deux mains. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on compte jusqu'à 5 et on se relève. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On va en arrière. On tire sur le bras comme ça. C'est bon, non? Et on s'applaudit. Voilà. Alors, je vais remercier aussi Universal Fitness Square d'Abidjan pour l'accueil. Voilà. Et vous donner rendez-vous dans une semaine pour un prochain numéro de Trésor Sport Show. Alors, les amis, on préfère le sport et non? La santé! Au revoir! Ouf!
C'était chaud en salle de sport. Faisons-nous de nouveaux amis avec la chaîne de l'amitié. Coucou, je me nomme Café Ange Christelle. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM1A au groupe scolaire Pepe. Je voudrais correspondre avec les enfants d'Italie. Coucou, je m'appelle Tano Otignel, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Pepe. Je voudrais correspondre avec les enfants du Canada. Chers petits camarades, notre émission tire à sa fin. Sachez que j'ai été très honorée de piloter cette émission. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro de Trésor du Monde sur RTI 2.